En avril dernier, l'actrice oscarisée Sandra Bullock, a retrouvé ce dimanche 5 février sur TF1 dans Océan 8, faisait une annonce surprenante, elle mettait sa carrière en pause. « Je vais simplement prendre du temps pour être une maman », avait déclaré l'actrice oscarisée. Mère de deux enfants qu'elle a adoptés, Louis, 12 ans, et Layla, 10 ans, celle qui s'est fait connaître en interprétant le personnage d'Annie dans le film Speed s'était confiée au magazine People sur son choix d'adopter. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré d'homme avec lequel je puisse me projeter suffisamment pour me dire « Ok, je veux avoir des enfants avec cet homme-là. Il fera un excellent père », avait-elle déclaré en 2015 au moment de l'adoption de sa petite Layla. Il faut dire que la comédienne s'était séparée de son époux Jesse James en 2010 après avoir appris ses infidélités, alors qu'ils avaient entamé des démarches pour adopter. Finalement, elle accueillera Louis seul. Une expérience réussie puisqu'elle réitéra avec Layla. Une pause pour profiter de ses enfants et si ses déboires sentimentaux ont eu raison de son éventuelle envie d'avoir un enfant biologique, l'actrice avait aussi indiqué, toujours dans le magazine People, « Il y a tant d'enfants qui veulent tellement avoir une famille. Ce qui est déchirant, si est-ce que certains de ses enfants ne reçoivent pas d'amour. Si est-ce notre devoir d'aider. Une jolie façon de voir les choses qui a permis à deux enfants de grandir dans un foyer plein d'amour, d'autant que depuis plusieurs années, Sandra Bullock partage la vie du photographe Brian Rendall. Concernant ses enfants, elle avait fait quelques rares confidences sur ces derniers au moment de l'annonce de sa pause, « Je suis simplement leur mère. Quand je ne suis pas là, je leur manque, quand je suis là, je les saoule, et si est-ce exactement comme ça que devraient être les choses ?» Sandra Bullock avait tenu à rassurer ses fans, elle reprendra le chemin des studios, mais pas tout de suite. Je vais m'y remettre. Je ne sais pas quand. Probablement quand mes enfants seront adolescents, à l'âge de 16 ou 17 ans, a-t-elle expliqué. En attendant, les fans pourront la revoir dans ses nombreux films déjà sortis. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK.